Aujourd'hui, donc vendredi 2 décembre, on est réunis vraiment avec tous les partenaires de l'école, parents d'élèves, élèves, partenaires du premier degré, enseignants du second degré, pour réfléchir dans le cadre du Conseil national de la refondation et donc de notre école Construisons-la ensemble sur comment pouvoir améliorer finalement la vie au quotidien de nos élèves, leur réussite, réussir à parfaire, à gommer les inégalités encore plus en termes de pédagogie, favoriser le bien-être tant des usagers que des personnels qui travaillent. Et puis également, un point très important pour le collège, en tant que collège de secteur, la quête de l'excellence, toujours aider nos élèves les plus faibles et les plus en délicatesse à consolider les bases et pousser encore plus vers le haut nos élèves qui ont plus de compétences. Le collège Frédéric Basile se distingue par le fait que c'est un établissement rural, assez isolé, socialement défavorisé, avec un indice de positionnement social qui est assez faible. Toutefois, un collège dynamique avec une offre culturelle, une offre sportive très variée, qui vraiment va chercher l'excellence aussi. On a ouvert une section sportive volleyball, au championnat de France plusieurs fois déjà. On a un festival socio-culturel en fin d'année aussi, des options théâtre, cirque, langue et culture étrangère, langue et culture de l'Antiquité, une option innovante de langage numérique destinée aux élèves de 3e qui veulent aller vers la seconde GT, donc encore une fois pour favoriser l'ambition de nos élèves au maximum. On a le projet de construire une nouvelle flexi-classe, donc classe flexible, hein, avec plus de matériel. Là, c'est toujours dans le cadre de la prise en charge des inégalités. On aimerait aussi pouvoir accroître et peaufiner l'option langage numérique qu'on a mis en place, qui est vraiment une innovation départementale pour qu'elle puisse être déployée encore de manière plus pertinente et au plus juste. Et puis, bien sûr, ce lien fort à renforcer encore plus avec le premier degré, avec nos écoles, notamment par l'acquisition de matériel numérique suffisamment performant et également pertinent, qui correspondent tant aux attentes de nos enseignants au sein du collège, mais également de nos collègues sur le premier degré.